Salut zami mouen. Jodi a nan numéro 150 nan rubrique nouan Ma Bible mon trésor, nous sommes toujours dans le domaine de la communication dans la relation amoureuse. Et fois ça, nous pas parler de problème. Nous t'a remis surtout parler de solution, d'une communication constructive dans la relation amoureuse. Si malheureusement tout le monde servit avec communication puis fait toute qualité bagaille, mais moun ki remè ta dwe servi avec communication pou yo fè relation yo a pi solide chaque jour. Les deux plus grands principes dans le domaine de la communication entre partenaires sont 1. S'écouter attentivement. 2. Prendre le temps de se parler. Et ça, c'est dans quelle que soit circonstance dans la vie n'a partagé à deux. Mettez-vous à l'écoute de votre partenaire et partagez vos opinions, vos goûts, vos préférences, vos désirs avec tout le respect approprié. L'une des toutes premières compétences qu'un amoureux doit avoir, c'est bien communiquer avec son âme sœur. Là ou pas chercher gain compétence ça, ou pas ka gain aucune assurance que relation pral plus loin que journée jodi. Tout vrai amoureux devrait avoir la volonté de construire sa relation par les moyens de la communication gestuelle et de la communication verbale. Même si moi pas konn disponibilité, mais moi ka conseille pour pon ti tan en plus pour apprendre à construire et cultiver une communication de qualité dans votre relation amoureuse. T'en prie, faites tête au cadeau ça et mandez partenaire là pour le faire de même. D'après gros spécialiste, pour pipiti, 15 minutes de bonne communication par jour avec votre partenaire capable de rendre relation là plus solide. Et si toutefois on t'a senti communication yo monotone, il est toujours possible pour ajouter quelques ingrédients et sujets nouveaux dans la communication. Si tellement gen bagay ou ka di et ou doit di avec moun ke ou remè, il est tout à fait inutile d'ajouter quelque chose dans ce domaine. Par exemple, apprenez à vous complimenter régulièrement l'un l'autre. Yo di kon sa, chaque couillon moun remè ou fè ou yon grain de compliment, c'est comme si c'est des jours que li ajouté nan durée la vie ou. Nous capables encourager yon l'autre, glisser belle ti parole douce, ti parole si au miel nan zorey yon l'autre. Sa yo, c'est pas bagay ou pral acheter. Et me garantis ou, depou sou sa, ou ap jwenn quantité occasion pour bien faire ça. Faites tout ça qui dépend de vous-même pour cultiver un langage beaucoup plus positif à l'égard de votre partenaire. Et veillez également votre langage corporel, gestes ou yo, expression yo, mine ou bay yo, comportement yo. Faites un petit dessin de tension en amitan nous. Faites preuve de beaucoup plus d'humour. Apprenez à rire l'un avec l'autre. Nous pas besoin passer tout le temps nous à accuser yon l'autre qui est-ce qui gagne tort ou bien qui est-ce qui gagne raison. L'essentiel, c'est le triomphe de la relation. Laisse ça nous tous les deux, nous c'est gagnant. Manifestez plus compréhension. Et si nous avons tension envie monter, songez Proverbe 15 verset 1er dit nous: une parole douce calme la fureur. Et Proverbe 12, verset 25 dit nous: une bonne parole réjouit le cœur de l'homme abattu. Nous pas j'aime qu'à fin compter tout avantage que bonne communication gagne dans relation amoureuse là. C'est peut-être ça n'a conseillé ou pour capable instaurer ou bien restaurer une communication de qualité dans votre couple. Et ça, premièrement, li mande en pile volonté, en pile bonne disposition et en pile humilité. But bonne communication dans relation amoureuse là, c'est pour permettre chaque monde exprimer librement et avec tout respect yon doit gagner pour l'autre. C'est plus gros outil que yon gagne dans main également pour capable bâtir une relation solide. Yon rele la bonne communication dans le couple le secret d'une belle relation. Maintenant, je viens de partager ce secret avec vous. Faites en sorte que ça devienne également votre secret. Merci pour votre écoute.
bonne persévérance, bonne communication et à la prochaine.